21e journée du championnat U17 nationaux, l'Olympique de Marseille qui reçoit le Sporting Club de Bastia. Je suis en compagnie de Thierry Agnello pour commenter cette partie. Salut Thierry. Salut André. Une équipe entraînée par Thierry Rodriguez. Rapidement, voici la compo de l'Olympique de Marseille avec dans les buts Baconnier, Béchard, Plaza, Dubois, Dacosta, Lovera, Dubuis, Desbrasso, Borzan, Vivaldi et Guirassy. Voilà donc pour l'équipe de l'Olympique de Marseille qui doit absolument s'imposer face à un concurrent redoutable. Oui, ouais, une équipe de Bastia deuxième au classement. Donc un vrai défi pour les jeunes Olympiens. Allez, on le voit à chaque fois, notre magnifique filet hein, qui nous cache la vue, qui nous gâche la vue, on va dire. Donc une équipe de Bastia, on joue bien au football en Corse, hein, on ouais. le voit cette année avec pas mal d'équipes en première division, en deuxième division. Il y a de bons jeunes surtout. Il y a de bons jeunes en Corse surtout. Il y a de bons jeunes. Hein. Cette première occasion pour le numéro 7 Corse, Florian Camara. Une équipe de Bastia entraînée par Emmanuel Giudicelli. De nouveau le numéro 7 qui frappe de loin. Et c'est entre guillemets sans souci pour Fabien Baconnier, le gardien de l'Olympique de Marseille. La domination en tout cas est bastiaise dans ce début de match, hein, ouais. André. C'est sûr. L'arbitre de ce match, c'est monsieur Giorgetti, assisté de monsieur Mkhitaryan et Boukelaï. Donner tout le monde pour les principaux acteurs de cette partie. Allez, les Marseillais à l'attaque avec une frappe un petit peu écrasée, sans souci pour le gardien corse, Fogac. Jolie ouverture hein, sur le côté droit. Une frappe malheureusement un peu dévissée. Hein, bien captée par le sosie de Pento. On aurait dit le sosie de Pento dans les buts avec les cheveux longs. Le but de Corse. Attention à cette frappe. Là, en général, il n'y a pas de souci pour un gardien digne de ce nom, on va dire. Cette frappe du numéro 10 de Bastia, Lopez. Ou attention à ce ballon, la fameuse célèbre relance dans l'axe qu'il ouais. ne faut jamais faire. Ça peut coûter cher. Hein. Eh oui. Alors ça va coûter un dégagement. Et toujours ce ballon dans les pieds des Bastiais. Bien joué ça. Le centre deuxième, il est tout seul, le numéro 7. Heureusement, il a mis à côté. Très présent, hein, cet attaquant corse. Mais heureusement, pour l'instant, les tentatives ne sont pas cadrées. En tout cas, le son mais mollement. Florian Carrara. J'imagine qu'il y a pas mal de supporters qui sont venus soutenir les Bastiais aussi, hein, parce que beaucoup de Corses à Marseille. Moi le premier. Allez, on écarte de l'autre côté. Surtout s'appliquer, jouer dans les pieds. Et attention à cette balle en profondeur. Attention, c'est récupéré par Julien Romain, l'avant-centre de Sporting Club de Bastia, qui va pouvoir... Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ouh, ouverture du score sur un exploit personnel. Hein. Quel numéro ? Ah ouais. Regardez, il revient, il avait déjà traversé 45 mètres. Hein. Enfin, sur le crochet, on va le voir, André, il fixe quasiment les deux défenseurs pour tromper Baconnier, assez facilement d'ailleurs. Allez, ça fait 1-0. Pour le Sporting Club de Bastia avec ce premier but à la 24e minute de Julien Romain sur un magnifique exploit. Attention à Baconnier là qui peut sortir. Est-ce qu'il est parent de Baconnier qui joue à l'OM avec les Minots hein? Je ne sais pas, oui, c'est ça. Ils étaient trois frères, je crois, trois ou quatre frères. Je ne sais pas. Il faudra se renseigner, Thierry. Ouais. Vous êtes fort pour chercher ce genre d'infos. Oh, attention, ouais. Il est allé de bon cœur, là, le défenseur Bastier. On récupère le ballon alors que la pluie fait son apparition au stade Lébert. Alors lui, je l'avais remarqué déjà lors d'un dernier match, là, ce numéro 10 olympien, Dylan Vivaldi. Il a du ballon, il est toujours... Regardez Thierry. Ah oui, pas mal, là. Non, pas il, mal. Il est très bon. Il élimine votre ami défenseur Bastier costaud, là. Ouais. On le reconnaît à sa coupe de cheveux, Dylan. Un garçon à surveiller. Allez, attention de nouveau les Bastiais à l'attaque. On cherche Romain. Et ce sera
pas corner, non. Ce sera un 6 mètres. En tout cas, le danger est toujours présent devant le but de Bacolier. Hein. Voilà de belles moustaches. Allez, de nouveau, les Bastilles à l'attaque avec un bon centre, bien dégagé par la défense marseillaise. Allez, ils ont du mal hein, en première mi-temps. On voit l'entraîneur course. Très concentré. Ouais. Attention à ce raid là. De nouveau Romain. Voilà. Oh, quel ballon en profondeur. Pour le numéro 10 qui vient marquer le deuxième but corse. Romain Lopez. Alors le premier s'appelait Julien Romain et lui c'est Romain Lopez. Donc on est puni par les Romains. Ouais. Sur ce bon ballon donné par le numéro 9 dans la course. Et là, bon, ben... Le réalisme est Bastier, hein, André. Durant cette première période. 2-0, oui. Thierry. Et oui. 36e minute, 2-0 pour les Bastiers. On ne peut pas dire que ce ne soit pas immérité. Non. Les Marseillais font un bon match, mais les Corses sont plus efficaces. Hein. Et là, une nouvelle frappe du numéro 7, Florian Carrara. Attention à ce ballon. C'est difficile. Hein. Très très difficile. On dirait qu'ils sont pas là. On dirait que... ouais, y a beaucoup de passivité. Allez. Ça manque un peu d'agressivité derrière. Et du coup, toutes les opportunités bastiaises se transforment systématiquement en occasion de but. Et on voit là, sur ce ballon mal dégagé. Là, c'est fort à l'amour, on va dire. Hein. Allez, peut-être essayer d'égaliser, pas d'égaliser, mais essayer de réduire le score. Avant la mi-temps, ce serait pas mal. Attention à ce ballon perdu. De nouveau, loin devant. C'est un 2 contre 2. Voilà. On entend les supporters Bastier. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre, deuxième poteau. Ils sont un petit peu tout seuls là sur le terrain. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Nouvelle frappe. Voilà, c'est difficile. Le numéro 9 de nouveau et qui vient marquer le troisième but. Voilà ce manque d'agressivité qu'on évoquait tout à l'heure sur le deuxième but. On le retrouve encore une fois sur le troisième but. Julien Romain, Thierry, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Regardez, ce ballon n'est pas dégagé. Ça va revenir de nouveau sur le numéro 9. Allez, au milieu de deux Marseillais. Voilà, il vient récupérer le ballon quasiment tranquillement. Voilà, la petite feinte et la frappe derrière. Et voilà, ça fait 3-0. Alors là, Thierry... On frôle la punition. C'est difficile. Ce serait bien de réagir avant le repos, quand même, histoire de conserver en tout cas l'espoir. Voilà. Hein, ce serait important. Ouais. Marquer un petit but. Peut-être avec, sur cette occasion. Notre ami Dylan, là. Voilà. Ben voilà. Je vous dis, c'est un bon... c'est pas mal. Un bon hein. joueur. Voilà, 3-1. Ce but avant le repos, c'est pas mal. Quand quasiment même. À la mi-temps. Est-ce qu'on était dans le temps additionnel? Ouais, ça permet de maintenir la tête hors de l'eau, d'éviter de sombrer définitivement. Voilà, on ne s'énerve pas. Voilà, 3-1, on a vu des buts, hein. C'est pas toujours le cas. Non. Et voilà, à l'instant, 3-1, Bastia qui mène. Mais bon, tout est possible pour cette deuxième mi-temps, à tout de suite. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps de ce match de championnat nationaux avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Bastia. Et c'était difficile, Thierry, dans cette première mi-temps puisque Marseille était mené 3-0. Ils sont revenus dans les arrêts de jeu avec Dylan Vivaldi. Et ça fait 3-1. Mais bon, c'est du foot, ce sont des jeunes, donc tout est possible. Tout peut arriver, oui. En fait, c'est vrai qu'on a frôlé la correction d'air, on a frôlé la punition. Et Thierry, sachez que dans ce groupe D... C'est toujours Saint-Etienne hein, qui fait la course en tête. Attention à ce ballon. Un peu plus d'envie en tout cas dans ce début de deuxième période. Hein. Là, on voit quand même que le Thierry Rodriguez a dû un peu les secouer à la mi-temps. Pour leur demander d'un peu plus d'engagement, un peu plus d'audace. Il leur a demandé certainement de jouer parce qu'ils étaient extrêmement passifs pendant les 45 premières minutes. Surtout défensivement, avec des ballons récupérés assez simplement par les attaquants corse. Attention à ce ballon qui passe au-dessus en laissant... Je pense que Thierry Rodriguez a dû les secouer à la mi-temps. Ce serait normal. Hein. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Non. Allez, attention de nouveau avec le numéro 9, peut-être pour le triplé. Heureusement,
Baconnier, le gardien marseillais est venu récupérer ce ballon. Ah, ils sont tout jeunes hein, sur le banc. Ouais, ils sont très très jeunes. Allez, long ballon devant. Allez, c'est peut-être récupéré. Il suffirait de marquer un deuxième but et après ouais, tout serait possible. Ça permettrait de relancer la partie définitivement. Déjà qu'on ne voit pas grand-chose si en plus il y a des parapluies. Alors là. Allez, écartez-moi ce jeu. Avec Dubois en retrait pour son gardien. Vivaldi. Voilà, quand sur on, le côté. Quand on combine, c'est pas mal. Brice Dugui. De nouveau sur Vivaldi dans la surface de réparation. Ce sera une touche. Alors, laissant un petit peu plus sous pression, là, les joueurs de Bastia. Allez, un long ballon. Pas trop surutiliser les longs ballons. Allez, bien joué, ça revient. Ah, c'est difficile. Très difficile, mais. Il faut y croire, ils mériteraient de revenir au score hein, parce que leur début de deuxième période est quasiment parfait. Il manque juste un but pour relancer définitivement le match. Ce sera un exploit de revenir. Hein. Ouais, ouais, mener 3-0, ouais. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. C'est vrai. Le miracle à la Montpellier-Rennes, c'est pas. Allez, de nouveau les Bastia à l'attaque. L'entraîneur a dû leur dire, les gars, conservez-moi ce ballon, cet avantage de nouveau. Heureusement, Romain Lopez, le buteur tout à l'heure, qui a mis ce ballon à côté. Une frappe un petit peu dévissée. 4 à 1, ça aurait été difficile, ouais, difficile de revenir. Ouais. Sur le petit filet, comme on dit. Allez, de nouveau les Marseillais dans la surface de réparation. Voilà, c'est là qu'il faut être, c'est là qu'il faut mettre la pression. Ce sera un corner obtenu. Fabrice Dougui. On voit leur visage. Hein. C'est tout jeune. Hein. C'est des 17. Encore des bébés. Ouais. Wow, il était tout seul. Tout seul, dommage. Il n'a pas su profiter du bon corner. Costa. Et c'est la coupe de cheveux. Ouais. Le ballon, il a glissé sur ses cheveux. Allez, tirer. Allez. Voilà. Voilà. C'est dommage. Il est en bonne position. Il faut les couper à ras. Bien sur ses appuis. Il aurait été but. Allez, un long, long ballon. Sortez. Sortez. Il y a des entraîneurs dans les tribunes. Ça devient difficile pour le Sporting Club de Bastia et son célèbre maillot bleu. Allez, de nouveau les Marseillais avec ce bon centre. Allez, on y croit toujours. Allez, dégagé. Oui, il a passé une petite faute là, monsieur l'arbitre. Oui, mais il a laissé attention, l'avantage. Attention, c'est contre un 2 contre 1. Comment ils vont le jouer? Pour l'instant, bien, mais un magnifique retour des défenseurs marseillais. Ouais, un peu trop perso, le jeune Bastien. S'il avait vu son équipier à gauche, le numéro 5, totalement seul et libre. Ouais, mais peut-être en jeu. Possible, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il ait vraiment joué le coup comme il le fallait. Ouais, c'était un 2 contre 1. Oh, attention. Sans souci pour Fogacci. Oui. Le gardien corse. Allez, de nouveau un long ballon. Là, ça va un peu plus vite. Hein. On va d'un but à l'autre là désormais. Alors attention au côté corse de ne pas en prendre un quatrième. Petite faute. Ouais, une petite faute. Ouais. Sous la pluie. Il n'y a pas de toit hein, à l'Aubert. Il n'y a pas de toit nulle part. Il n'y a pas grand chose à l'Aubert. Déjà. Au 16, il n'y a pas de toit. Allez, Bert, il n'y a pas de toi. Et Vélodrome, il n'y a pas encore de toi. Il n'y a pas encore de toi. Allez, toujours 3-1. Le chronomètre tourne et pas à notre avantage. On le rappelle, les Marseillais ont besoin de victoire pour rester dans le haut du tableau. Allez, un long ballon. Et voilà. Et voilà. Sur ce coup franc, votre ami d'Acosta. Ami le 10. Votre ami d'Acosta. Et voilà. Julien d'Acosta qui, cette fois, s'est bien servi des cheveux, ouais, comme il fallait. Là, cette fois-ci, c'est pas comme tout à l'heure, il l'a bien mis sur le petit côté, regardez. Rien à faire pour le gardien, et ça fait 3 à 2. Là, par contre, ça devient intéressant. Voilà. Il reste du temps. Il reste du temps, mais il faudra se méfier quand même. Voilà, les opportunités. Ouh, attention à cette occasion, et Baconnier bien présent. Là aussi, oh, ça devient... En tout cas, c'est un beau match, hein. On voit des occasions, ça fait plaisir. Vous avez prévenu que c'est le 10 qui était bien tiré. Il a vraiment des qualités techniques
Ah, évidemment, quand on a mené 3-0 et qu'on voit une équipe revenir à 3-2, on n'est pas vraiment serein. On va dire que l'avantage psychologique est pour les Blancs. On voit cette belle occasion et cette belle envolée du gardien marseillais. Allez, toujours 3-2. Avec un long ballon, on fait monter les défenseurs. Accélération. C'est dommage. Trop poussé. Il y a quelques mouvements intéressants. Les jeunes Marseillais ont réussi à mettre 2 buts. Pourquoi n'égaliserait-il pas, Dédé? Notre ami Robert Nazarétian. En discussion avec Belle Moustache. Allez. Voilà, il faut profiter. Long ballon. On met la pression sur la défense bastiaise. Avec Bertelli qui a fait son entrée. Voilà. Il est passé. Il rentre à la surface de réparation, ce ballon contré, et ça revient dans les bras de Fogac. Et de sa belle coupe de cheveux à la Pascal Olmeta. Voilà Julien Pento. Voilà. Toujours ce magnifique temps. Et toujours les Corses qui mènent 3-2. Mais et les Marseillais, cette touche, oui. Mais les Marseillais qui continuent à mettre la pression pour croire au bonheur, on va dire. Au moins revenir à égalité. Il le mériterait, oui, au vu de cette deuxième période. Temps, avec ce centre, et voilà, et voilà l'égalisation marseillaise du numéro 7. Dogui. Brice Dogui. Voilà. Et là, quand on est mené 3-0, quand on revient à 3-3, croyez-moi, ça met de l'euphorie dans le groupe. Hein. Ça promet surtout une fin de match extrêmement palpitante, parce qu'alors là maintenant que les deux équipes sont revenues à égalité, le compteur est à zéro. Hein. Allez, un long ballon. Allez, il rentre dans la surface de réparation, s'appliquer sur le centre, où ça revient, et Dogui qui vient marquer dans une position. C'est extraordinaire quand même. Ah oui. Alors là, regardez-moi, c'est beau. Être mené 3-0 à la pause, revenir au score et finalement l'emporter 4-3. Ça relève de l'exploit. Hein. Regardez la joie à Dogui qui est au sol et il vient regarder le ballon qui lui revient dessus et hop là. 82e minute. Je rappelle que les Marseillais étaient menés 3-0 et ils sont revenus et là ils sont passés devant 4-3. Il faudra rester prudent jusqu'au bout. Hein. Un petit peu un match. C'est pas le plus mauvais, lui, hein, le numéro 9. Hein. Non, Julien pas mal, Romain, hein. Il a marqué 2 buts et là, il s'applique bien. Un petit peu à la Pierre-Yves André. Ça sort. Pas de souci. Il faut rester méfiant parce que les dernières minutes sont bastiaises. Les Corses ont, semble-t-il, repris un peu l'ascendant sur le match dans ces dernières minutes. Il a regardé son chronomètre, ouais. Thierry, l'arbitre. Et voilà l'exploit. L'exploit des hommes de Thierry Rodriguez qui s'imposent 4-3. Dans ce match, ils en reparleront sûrement souvent dans leur carrière, hein, ces jeunes joueurs. Voilà, merci Thierry d'avoir commenté cette partie avec moi. On écoute sûrement un homme très très heureux, c'est l'entraîneur Thierry Rodriguez. Un gros retournement de situation par votre équipe? Très gros, parce que bon, déjà le résultat, mener 3-0, gagner 4-3, c'est rare, voire exceptionnel. Et puis surtout face à un adversaire de cette qualité-là. On a ce but en fait de première qui nous fait quand même, qui nous laisse l'espoir. Et puis bon, on n'a pas fait pire. Hein. On ne peut pas faire pire. Jetons tout ce qu'on a dans le ventre et on verra la fin. Ce programme vous a été présenté par Sport Études Concept.